Je sors du lit, ça se voit, ça se voit. Bonjour du matin, tôt le matin, il est à 8h15, nous sommes le 11 janvier 2024, toujours 2024, hein. On n'a pas changé d'année encore, on vient de changer d'année. C'est pas facile hein, de s'y faire, vous écrivez toujours 2023, bienvenue au club. Moi j'arrive pas à me dire qu'on est en 2024. Bonjour Flymeek, ça va? Comment ça va ce matin? J'arrive pas à me dire qu'on est en 2024, c'est difficile. Avec la nouvelle mise à jour de Blue Sky. Ah oui, bah du coup j'ai vu qu'on pouvait lire les vidéos, mais ça fait quelques jours déjà. Et il n'y a pas un truc sur les GIFs aussi? GIF, GIF, comme vous voulez, c'est vous qui décidez, vous pouvez dire ce que vous voulez. Salut Roscoe. Énorme pub pour la bouffe pour chat en arrivant. Bah, c'est parce qu'il y a des chats ici. T'as pu voir le lancement du live directement sur place. Ah, donc t'es sur Blue Sky. Ouais, mais du coup, oui. J'ai vu ça hier, je crois, qu'on pouvait lire la vidéo sur Blue Sky. C'est marrant. Mais du coup, tu mets les messages sur Blue Sky? Non, tu mets les messages sur Twitch. Tu me réponds pas sur Blue Sky. Comment ça va sinon ce matin, la forme? GIF et ça fonctionne aussi pour lire YouTube sur YouTube et Twitch. Ouais, ça j'ai vu, ça j'avais vu. Pas le chat, bah non. Je crois que c'était sur Twitter où tu pouvais, quand tu diffusais un truc, tu pouvais interagir dessus aussi. Non, c'est sur. Ouais, non, c'est encore autre chose. Bonjour Manon, bonjour à elle, comment ça va ce matin? Bon, ce matin, je reste jusqu'à 9h pile. J'avais oublié que j'avais un rendez-vous à 9h avec un client. Donc à 9h pile, je file. Oh! C'est pas possible ce chat. Bonjour, je viens, je monte, je grimpe, je fais du bruit pour monter. Bonjour le petit chat. Comment ça va ce matin? Ça va? Oui, d'accord. Et t'as un truc automatique pour faire des annonces, tu dois tout faire à la main. Des annonces comme ça. Je ne révélerai pas mes secrets. Bonjour Donkey Shark. C'est pas Loulou, c'est Chaton. Loulou, il est parti. Il est en train de dormir, Loulou. Et c'est Chaton, ça, c'est Chaton. Chaton qui vient dire bonjour le matin. Il aime bien venir là et demander des câlins. Non, je fais à la main. Alors, j'ai une application qui peut faire des annonces automatiques, mais je l'ai désactivée. Le tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc. Le truc du jour, où est-ce qu'on était arrivé aujourd'hui? Je me souviens plus. Je vais trouver, je vais trouver, je vais trouver. Je me souviens plus. Il me semble que j'avais dit qu'aujourd'hui on parlerait de la cantine et des enfants de chômeurs qui étaient virés d'une certaine cantine. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai trouvé. Ça va être intéressant. Un peu dégueulasse, mais intéressant. Ah. Oui, bah. Oui. D'écoliers à la cantine, les enfants de chômeurs seront interdits d'y manger. On t'explique cette mesure mise en place dans une petite ville française. Alors cette mesure, elle vient d'être mise en place à Mazamet, une commune d'environ 10 000 habitants située dans le Tarn. Selon le maire, Olivier Fabre, il est arrivé qu'il n'y ait pas assez de place pour les enfants mangeant dans les cantines de sa ville. Pour faire face à ce problème, qui n'est pas arrivé fréquemment mais qui peut se produire, le maire d'Hiver Droite a modifié le règlement intérieur des écoles maternelles et primaires. Désormais, les jours où la cantine sera complète, les enfants dont les parents travaillent seront prioritaires sur ceux dont les parents sont au chômage.
assistanat, ça suffit. Je considère que si on ne travaille pas, on a le temps de préparer un repas pour ses enfants à midi, justifie le maire en live sur Facebook. Dans les faits, il faudra fournir un justificatif pour que son enfant soit prioritaire à la cantine. Selon le site de la municipalité, les parents prioritaires seront ceux qui travaillent, ont un rendez-vous médical ou des obligations familiales. Les parents chômeurs ne seront pas prioritaires, sauf s'ils peuvent prouver qu'ils ont des rendez-vous professionnels ou des entretiens d'embauche. On précise que cette mesure a été votée en juillet 2023 et qu'elle n'a pas encore été appliquée une seule fois depuis la rentrée. Selon le maire interrogé par Europe 1, Mazamé compte 350 élèves répartis dans 6 écoles. Pour pouvoir accueillir tous les élèves à la cantine, le maire estime qu'il faudrait élargir les murs, embaucher du personnel. Là, ça veut dire qu'il faut augmenter les impôts locaux et faire supporter aux contribuables un coût supplémentaire, sachant qu'ils financent déjà une grosse partie de la restauration scolaire. Par ailleurs, selon France 3, le prix du repas a augmenté de 20% à la rentrée 2023, coûtant désormais 4,80€ en primaire. Une hausse justifiée par la collectivité qui précise qu'il s'agissait de la première augmentation en 20 ans. S'il y a trop d'écoliers à la cantine, les enfants de chômeurs seront interdits d'y manger. J'étais en train de chercher le maire de Mazamé. Je voudrais savoir de quelle couleur politique il est. Parce que, alors là, il a fait un tweet dédicace au... Il dit quoi ? Aux gens qui l'ont harcelé parce que il a dit ça. Divers droite, ouais. Ouais, divers droite, ouais. C'est... Ouais, c'est ça. Je jetais une table. Retournez la table. C'est un enfoiré, divers droite. Je dirais plutôt divers extrême droite, même, à ce niveau-là. Avec ce genre de réflexion. Ouais. Bon, passons à autre chose. De toujours aussi drôle d'ailleurs. On en avait déjà parlé, c'est Lydia. Qui, vous vous souvenez, donc résumé des épisodes précédents, c'est dans un précédent live du matin, tout le matin. On avait parlé de Lydia qui avait fait pression sur Balance ton agency pour faire supprimer des messages qu'elle avait publiés sur ses réseaux. Et parce qu'elle disait que l'annonce qui avait été publiée par Lydia était plutôt un red flag, hein, et nous avait dit que le PDG de Lydia avait mis en place des mesures, notamment supprimer son compte ou suspendre son compte. Divers droits, j'ai l'impression que c'est souvent que t'assumes pas d'être fâcheux. Quand Lydia dans la servante écarlate. Non, là on parle bien de Lydia, l'entreprise, vous savez, de distribution d'argent, là. Enfin pas distribution d'argent, mais ou sur laquelle vous pouvez échanger de l'argent avec vos amis. Là. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres. Dont ça Lucien. Dont ça lustre. C'est l'avare, je crois, c'est ça. Ça pue le gars qui s'est fait jeter de ses parties et est en roue libre, ouais, c'est possible. J'ai reçu le témoignage d'un... Donc on va continuer sur cette histoire de Lydia. J'ai reçu le témoignage d'un ancien salarié de Lydia qui parle d'un message de pression envoyé sur Slack par AP, le DG de la boîte. Attention, c'est pépite. Et un nouveau thread. Donc AP, c'est le DG de la boîte, nous avait fait un message de pression sur Slack en nous disant qu'il voulait qu'on travaille plus, quitte à rester jusqu'à 22h parce que la concurrence fait pareil. Je te file en PG juste après. Je veux que vous travailliez plus. Suite. Here's the speech I gave to you this morning about me asking you to work more. As it was in French, I logged in French. Je veux que vous travailliez. Je veux que vous travailliez plus. Plus que vous ne le faites aujourd'hui. Plus, car on ne travaille pas assez. Pas assez par rapport à notre contrat de travail qui spécifie bien que nous sommes rémunérés pour 42 heures par semaine, soit 8h30 par jour. Plus en matinée, entre 3h et 4h le matin, pour ne pas finir trop tard et prendre des pauses. On ne travaille pas assez par rapport à la concurrence. La suite, aussi parce que c'est le moment de la journée où l'homme est le plus productif. Il n'y a toujours eu qu'une seule règle en termes d'horaire en plus de votre contrat. Personne après 9h30, personne avant 18h30.
Ce ne sont pas des horaires de travail, sinon ce serait 9h, 12h30 et 13h30, 19h. On ne travaille pas assez par rapport à la concurrence. Gauthier a dit hier soir en arrivant à 20h, j'ai pris mon après-midi. Il travaille pour une entreprise qui a levé 200 millions d'euros. Pourquoi eux se battraient-ils plus que nous ? Une start-up est une entreprise qui n'a pas encore trouvé son business model. C'est donc une entreprise qui meurt. Il y a des fautes partout ou c'est moi ? Mais surtout, nous ne travaillons pas assez vis-à-vis de ce que notre mission nous demande. On a besoin de faire. Regardez Basecamp, passez 15 minutes dans les bureaux de l'UX Team si besoin de vous en convaincre. Vous saviez ce qui vous attendait en venant travailler chez Lydia, car vous avez été prévenu en entretien. Vous le saviez aussi avant même en voulant rejoindre une start-up. Une start-up est une entreprise qui n'a pas encore trouvé son business model. C'est donc une entreprise qui meurt. Ceux qui préfèrent se laisser mourir ne sont pas à leur place ici. Quand la mort arrive, on se bat, on résiste ou on se laisse mourir. Ceux qui préfèrent se laisser mourir, détendus, ne sont pas à leur place ici. La phrase sur notre mur dit « Quand on a envie de râler ou de se plaindre, concentrons-nous à la place uniquement sur la solution et travaillons-y. » Je pense que si vous me suivez dans ce sens, nous allons accomplir de grandes choses avec Lydia. Les victoires faciles n'ont pas de saveur. Qu'est-ce que vous avez pensé du Slack du DG de Lydia? Quelle horreur. Salut Roscoe. Lydia a l'air d'être assez toxique. Non, pas du tout, pas du tout. C'est normal comme discours. Quelle horreur. Une boîte dont tout le modèle économique repose sur le parasitisme serait toxique, c'est fort étonnant. Sur le parasitisme? Bah, c'est de l'échange d'argent, non? Ah oui, non, ils prennent de l'argent sur les échanges d'argent. Ouais, en même temps. Et oui, ça fait flipper. On va aller dans une autre... aller sur une autre actu de notre peuple français. On reste sur... Parce que c'est des actus françaises là, que je suis en train de lire, parce qu'il n'y a que ça sur Discord, visiblement, il y a beaucoup de ça. En ne créant aucune valeur, ils profitent du circuit qui existe déjà, oui, c'est vrai. Hop là, alors, attends. Je vais mettre le son. Et... On va regarder ça. Et c'est parti. Dissection d'un emballement. C'était une expédition programmée sur fond de racisme anti-blanc. C'est désormais un horrible enchaînement de circonstances, une altercation puis une bagarre générale qui se serait achevée par le décès du jeune Thomas. Peu à peu, les circonstances de la mort du rugbyman de 16 ans s'éclairent et éclairent aussi l'instrumentalisation de ce drame par l'extrême droite et 3 semaines de folie médiatique. On rembobine. Nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre, un fait. Un jeune homme est tué lors d'une fête de village dans la Drôme. Dimanche 19 novembre, 9h45, France Bleu Drôme Ardèche, titre Drôme. Un jeune homme de 16 ans tué lors d'une rixe dans une fête de village à Crépole. Le quotidien local, le Dauphiné Libéré, un adolescent de 16 ans tué à l'arme blanche. Le journal précise, vers 2h du matin, des individus venus de l'extérieur ont pénétré dans la salle. Ils ont agressé de nombreuses personnes à l'arme blanche pour un motif encore indéterminé. 11h07, réaction de la maire de Crépole dans le Dauphiné. Une bande est venue pour tuer des gens. Ces jeunes sont arrivés avec des couteaux pour les agresser gratuitement. À ce stade, on ignore s'il s'agit d'une rixe, d'un règlement de compte ou d'une attaque. L'enquête confiée aux gendarmes vient tout juste de débuter. Mais pour la maire du bourg de 550 habitants, il s'agit d'une attaque gratuite et préméditée. Midi 30, c'est par le club de rugby RC Roman Péage qui poste une publication sur Facebook qu'on apprend le prénom du jeune décédé. Il était un de ses joueurs, Thomas. À partir de ce moment-là, l'information est reprise par de nombreux médias. Plusieurs JT parlent d'une bagarre violente. Un groupe d'individus extérieurs à la commune aurait tenté de rentrer dans cette soirée. Là, un vigile s'est interposé, puis des personnes présentes
dans la fête sans sortie. Et c'est à ce moment-là qu'une bagarre générale a débuté. D'autres médias parlent d'une attaque mortelle ou reprennent les propos de la maire du village. Les premiers tweets viennent de l'extrême droite. Le lundi 20 novembre, les politiques enchaînent. Le porte-parole du RN, Laurent Jacobelli, dénonce l'ensauvagement de la société. Oui, c'est vrai, il y a un ensauvagement de la société. La mort de Thomas remplit l'espace médiatique, dont l'Outsider, et tous les journalistes cherchent à comprendre, avec plus ou moins de prudence, le déroulé des faits et ce qu'il voudrait dire de la France. Les politiques, eux, ont des réponses. 21 novembre, Marine Le Pen dans l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles. On assiste à une attaque organisée émanant d'un certain nombre de banlieues criminogènes dans lesquelles se trouvent des milices armées qui opèrent des razzias. Le zémouriste Stanislas Rigaud parle de francocide, terme repris d'Éric Zemmour lui-même, et fait cette déclaration. Je vous prends le pari, mais peut-être que je me trompe. Que les suspects, en l'occurrence, auront des noms à connotation maghrébine, auront des noms à connotation africaine. Des suspects sont arrêtés et l'extrême droite se procure rapidement leur identité, diffusant leurs prénoms sur les réseaux sociaux. Mercredi 22 novembre, Emmanuel Macron dénonce un terrible assassinat et une agression. On ne sait toujours pas s'il y a eu préméditation. Samedi 25 novembre, 9 suspects sont présentés au parquet et mis en examen pour meurtre en bande organisée. Celui qui serait suspecté d'être le meurtrier de Thomas serait un jeune homme âgé de 22 ans dont les cheveux ont été tirés par un rugbyman de Crépol. Le procureur de la République de Valence précise alors que l'élucidation des faits commis à Crépol n'est pas achevée. Le même jour, l'extrême droite manifeste dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère en scandant « Islam hors d'Europe » selon des images diffusées sur les réseaux sociaux. Des figures de la gauche et de la majorité dénoncent alors une récupération politique de ce fait divers. La semaine suivante, les politiques se déchaînent. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, accuse par exemple le RN d'opposer la France rurale à la France des cités et des Mohamed, tandis que Jordan Bardella appelle à un sursaut sécuritaire, pénal, et un tournant migratoire. Les groupuscules néofascistes continuent leur défilé. Dimanche 3 décembre, la maire de Romans-sur-Isère déplore dans le JDD que, contrairement à celle de Naël, la mort de Thomas a été considérée comme un fait divers quasiment anecdotique. Le 4 décembre, une longue enquête du Parisien démonte le narratif de l'extrême droite et l'emballement politico-médiatique. Si les suspects sont bienvenus à la soirée dansante, ce n'est pas dans le but d'une expédition programmée, mais attiré par la présence annoncée de nombreuses filles. Le caractère raciste anti-blanc est encore à prouver, et selon le Parisien, un des rugbyman a été entendu par au moins une amie dire qu'il avait envie de taper des bougnoules. La conclusion de ce travail journalistique sérieux, qui reprend notamment les dernières avancées de l'enquête des gendarmes, c'est que la mort de Thomas serait la conclusion d'une bagarre fortuite plus que de violences préméditées. Mais pour les médias d'extrême droite, la machine à broyer la réalité est en marche. Vous n'avez pas vu ce que vous avez vu, le système va vous expliquer. D'où un fait divers vient faire autant de battage, ça m'échappe. Bah moi aussi, c'est ce que l'Outsider essaye d'expliquer. Mais c'est pas normal de toute façon, globalement. Il y a beaucoup de... C'est tellement... La suite, sans transition, comme dirait un homme condamné, enfin pas condamné, si condamné, pour violence sexiste et sexuelle. Violence sexuelle, je crois même, surtout. Mais c'était surtout mimé par les guignols de l'info. Ce n'est pas facile. Pourquoi j'ai quitté l'UNEF ? Un thread de Iman Welach. C'est pas facile pour moi, je décide de prendre la parole parce qu'il est plus que nécessaire de lever un tabou encore bien trop présent dans nos organisations alors que c'est vu comme un combat essentiel, la santé mentale. Pour ne pas passer par quatre chemins concernant mon vécu personnel, cela fait maintenant plusieurs semaines que j'ai dû prendre la décision à contre-cœur de mettre fin à mon engagement et, disclaimer, pas juste parce que j'étais fatiguée, mais parce que j'en suis devenue malade. Car j'ai été diagnostiquée en dépression, saupoudrée d'une anxiété généralisée, sinon c'est pas drôle, car mon engagement m'a littéralement bouffée. Il m'a bouffée car j'ai toujours dû mettre en premier les combats que je menais, en oubliant parfois même mes besoins primaires. Parce que j'avais et j'ai toujours envie de me battre contre les inégalités et porter le plus haut possible le projet de société auquel je crois, mais à quel prix ? Au prix de mon intégrité, un petit peu, à celui de ma santé et vie personnelle, beaucoup. Après avoir dû mettre sur pause certaines de mes relations personnelles ou encore des événements familiaux parce que pas le choix, faut que t'y sois. Tout ça parce que des gens avaient décidé qu'ils avaient poney et que bon, tu acceptes car les combats sont plus importants. Après avoir dû subir différentes formes de harcèlement motivé, soit par les discriminations ou pour des accords politiques pendant plus de 5 ans, j'ai décidé de mettre fin à ce cercle vicieux qui me met mal et qui ne sert pas les causes pour lesquelles on se bat au quotidien.
Et si j'ai pris la décision d'écrire ces mots sur l'un des mots silencieux qui traversent nos organisations, c'est pour plusieurs choses. Premièrement, pour dire à tout le monde, que ce soit des gens que j'ai côtoyés ou non, que les mots et actions que vous avez ont un impact sur les gens en face de vous. Et malheureusement, cela est encore plus fort quand ça vient des gens de votre soi-disant camp social. Et qu'il est nécessaire aujourd'hui de remettre en question nos pratiques pour faire en sorte que tout le monde puisse s'engager dans un environnement plus safe. Deuxièmement, pour toutes les personnes qui ont vécu un burn-out militant ou toute autre forme de choses similaires, sachez que vous n'êtes pas seul et que vous êtes encore moins légitime que vous êtes encore moins légitime que d'autres à votre place, ou moins forte, ou moins fort, moins digne que les autres. Tant que vous croyez dur comme fer à vos combats, vous êtes légitime d'être là, même si cela ne plaît pas à tout le monde. Troisièmement, le collectif, c'est pas des lol, ça sert vraiment à condition qu'on en prenne soin et qu'on le chérisse. Avec le recul que j'ai aujourd'hui, c'est grâce au collectif que j'ai réussi à m'émanciper, que j'ai pu défendre mes idées sans céder, parce que je savais qu'à côté de moi, il y avait des camarades pour me soutenir et qui étaient souvent dans la même galère que moi. Plus personnellement, je voulais également m'excuser si j'ai eu des paroles qui ont pu être mal vécues par mes anciens camarades. J'ai plus envie de mettre ça sur le dos de « on a la tête sous l'eau, donc on dit des choses qu'on ne pense pas forcément ». Je crois fermement aux futures générations de militants et militantes qui pourront changer les choses, les schémas virilistes, sexistes, LGBTophobes, racistes, qui ont conditionné notre manière d'être militants et militantes pour faire en sorte que plus personne n'ait à écrire ce genre de message ou à devoir finir en thérapie parce qu'elles ont été broyées par leur engagement. Mais pour cela, il faut briser cette omerta et donc en parler ouvertement sans en avoir peur. Et dernier message aujourd'hui, je quitte mon engagement syndical le cœur léger, car j'ai pu rencontrer des gens géniaux et participer à transformer la société à mon échelle, et ça personne ne pourra me l'enlever, et j'ai confiance en mon syndicat pour continuer les batailles. Et puis, à toutes les personnes qui ont tenté de me détruire et qui le veulent encore, eh bien bon courage, parce que certes, j'en ai fini à aller voir un psychiatre, mais ça ne veut pas dire que vous avez gagné, bien au contraire, je ressors de tout ça encore plus déterminée. Déterminée à me battre pour les idées auxquelles je crois, déterminée à transformer la société et en faire en sorte que tout le monde puisse avoir réellement la parole, car grand mal vous fasse, les gens comme moi, on n'est pas juste des vitrines de votre bien-pensance. Et bienvenue Barbure, merci pour le follow, bienvenue parmi nous. Alors c'est un message qui a été publié par Iman Welhadj le 9 décembre 2023, donc elle a quitté ses fonctions le 9 décembre 2023, à peu près en même temps que moi j'ai quitté mes fonctions à la présidence du Parti Pirate International. Alors ses raisons ne sont pas du tout les mêmes que les miennes, hein. Elle a annoncé aussi dans son message là qu'elle avait commencé à voir un psychiatre, donc que c'était psychologique, même psychiatrique. Et donc que c'était plus une question de santé mentale. Ça fait écho un peu à ce que j'ai vécu quand même, parce qu'elle parle aussi de harcèlement en sous-texte. Et moi, c'était aussi beaucoup ça, en fait, la raison pour laquelle j'ai quitté mes fonctions. C'est parce qu'il y a des personnes qui veulent prendre ta place, en fait. Et quand tu as des personnes qui veulent prendre ta place, elles te pourrissent la gueule. Et donc le harcèlement moral... Et violent, et la jalousie est violente dans les organisations, et surtout dans les hauts niveaux de pouvoir qu'on pourrait avoir dans une organisation. Et donc oui, le collectif est important. Après, quand le collectif est toxique, il vaut mieux éviter le collectif. Alors... On va continuer avec un autre texte. Alors cette fois-ci, on va aller sur Blue Sky. On était sur Twitter, sur Instagram, Direction Blue Sky. 5 parlementaires de Guadeloupe, dont l'ancien ministre Victorin Lurel, fustigent la mise à l'écart de l'antenne de RCI Guadeloupe de la journaliste présentatrice Barbara Olivier Zandronis après son interview impeccable du président du Front National, Jordan Bardella, le 8 décembre. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette interview qui était très très intéressante de Jordan Bardella, où la journaliste a été factuelle et c'était chouette de voir tout ça. Donc la lettre ouverte de soutien à Barbara Olivier Zandronis en défense de la liberté de la presse. À l'occasion de son passage en Guadeloupe, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, a été interrogé par la journaliste Barbara Olivier Zandronis hier, vendredi 8 décembre 2023.
Cette interview a été l'occasion pour la journaliste d'interroger son invité en toute impartialité, sans la complaisance trop souvent de mise dans certains médias nationaux. Nous constatons que suite à cette interview, Barbara Olivier Zandronis a été écartée de l'antenne de journal de 13h de RCI. Nous, parlementaires de Guadeloupe, tenons à exprimer ici notre indignation et notre soutien indéfectible à Barbara Olivier Zandronis suite à son retrait de l'antenne. En tant que journaliste, Barbara Olivier Zandronis a exercé son devoir avec détermination et professionnalisme en mettant en lumière les positions et les idées de ce parti politique d'extrême droite. La véritable essence de la liberté de la presse est incarnée lorsque les hommes politiques sont confrontés avec des questions fondamentales et franches. Il est profondément troublant de constater que l'engagement de Barbara Olivier Zandronis envers une information juste et sa volonté d'exercer son métier en conscience ait été puni de cette manière, alors même que c'est M. Bardella qui aurait dû être sanctionné pour son comportement. Protéger la liberté de la presse signifie autoriser les journalistes à poser des questions difficiles, à exiger des comptes de la part des personnes de pouvoir au pouvoir. C'est le fondement de toute société démocratique. Elle garantit que toutes les voix puissent s'exprimer sans craindre la censure. Le retrait de l'antenne de Barbara Olivier Zandronis ne fait que limiter la capacité des médias à informer objectivement le public sur des sujets essentiels. Il est urgent que Barbara Olivier Zandronis soit rétablie dans ses fonctions et puisse continuer d'exercer son métier en toute sérénité. Et bonne journée à elle, à toi aussi. La journaliste insiste pour obtenir des réponses à ses questions pertinentes sur l'absence de parlementaires du Front National à des votes importants au Parlement européen concernant les Outre-mer et sur le peu de propositions législatives de la part de Jordan Bardella. Et bonjour O'Hara, comment vas-tu ? Arrêtez d'être agressive, lui répond Jordan Bardella. Je vous pose des questions, vous répondez à côté, réplique-t-elle. Puis le président du FN demande à Barbara Olivier Zandronis : vous avez votre carte dans laquelle parti politique, madame, dénonçant être agressée, il ne l'est pas. 10 minutes d'entretien pertinent avec des relances essentielles, sans agressivité. Une journaliste connaissant ses dossiers ne se laisse pas embobiner par les éléments de langage. L'interview de Jordan Bardella par Barbara Olivier Zandronis démarre à 8 minutes 35. Replay ici. La direction de RCI Guadeloupe confirme avoir retiré de la présentation du journal de 13h la journaliste présentatrice Barbara Olivier Zandronis sans donner les raisons concrètes d'une telle décision. Donc RCI souhaite clarifier sa position et réaffirmer son engagement envers l'objectivité journalistique. Un média n'est pas un espace où un journaliste donne son opinion. Le rôle d'un journaliste, en particulier d'un présentateur de journal, est de donner la parole et de travailler les interviews de manière à mettre en lumière des vérités, même dans des discussions musclées et rythmées. La récente décision de retirer Barbara Olivier Zandronis de la présentation du journal de 13h est une décision d'entreprise motivée par notre engagement envers l'amélioration continue de notre média et le développement professionnel de nos journalistes. Nous avons déjà eu à prendre des décisions identiques sur des manquements à nos exigences journalistiques ou éditoriales. Il est important de souligner que Barbara Olivier Zandronis n'a pas été mise à pied ni exclue de l'antenne, elle demeure partie intégrante de sa rédaction. La force de RCI réside dans son refus de toute complaisance indépendamment des relations et des pressions externes. Nous considérons toute ingérence dans notre entreprise comme inacceptable. RCI demeure attaché à ses principes éditoriaux et refuse toute instrumentalisation de ses actions à des fins politiques. Nous restons ouverts au dialogue et à la transparence pour assurer que nos décisions contribuent toujours à l'amélioration de notre média dans l'intérêt de la population guadeloupéenne et du respect de la démocratie. Et ça, c'est un courrier de la direction du général du groupe RCI. Ouais, c'est ça, le militantisme. Bonjour David, comment vas-tu ? Ça va tranquillement, merci, même si c'est toujours désolant de voir des médias ne pas comprendre le journalisme, surtout en tant que futur journaliste. Et oui, malheureusement. Une pétition circule pour soutenir la journaliste Barbara Olivier Zandronis et faire qu'elle soit de nouveau à la présentation du journal de 13h de RCI Guadeloupe suite à sa mise en retrait par la direction de la radio. Plus de 14 000 signatures à ce jour, je vous invite à signer la pétition. Hervé De Haro, directeur délégué RCI Guadeloupe, raconte à Libération avoir présenté ses excuses à Jordan Bardella quand on est agressif à ce point qu'on ne laisse pas parler l'invité. Je pense que Barbara s'est mis la pression qu'elle n'a pas le métier nécessaire. Quelle horreur. C'est n'importe quoi. Bah, toujours dans le même thème, on va rester dans le même thème, on reste dans le thème, là. C'est marrant quand même, on reste dans le thème, là, j'ai l'impression. Alors, attends. Dans ce projet... Voilà, il se croit Harry, et alors ils viennent à la base. Il se croit Harry, je sais pas ce que t'as voulu dire, Franck, à ce moment-là. Bienvenue, Mélix,
parmi nous, merci pour le follow. Et alors, ils reviennent à la base, dehors les noirs. Elle a annoncé hier quitter RCI. Ah bah merci pour l'info. Et ben je pense que c'est la meilleure décision qu'elle pouvait prendre, parce que quitter une chaîne raciste, c'est le mieux à faire hein, dans ces circonstances. Dehors les noirs et les arabes, pas droit au sol, pas de nationalité par mariage, tous les deuxième ou troisième génération d'immigrés qui votent pour eux, je vous vomis dessus. On va écouter cette interview de Marine Le Pen par curiosité malsaine. Il y a toute une série de mesures dans ce projet de loi qui concourent à l'aggravation. Ah, je viens de me souvenir que... Je viens de me souvenir que si je faisais ça, j'allais me faire strike par CNews sur YouTube. Donc cette vidéo qu'on est sur le point d'écouter là, probablement que vous ne pourrez pas l'écouter si vous regardez le replay sur YouTube. Voilà, j'annonce la couleur quand même. Parce que YouTube, CNews, enfin tout le groupe Canal, ils veulent pas hein, qu'on diffuse leurs vidéos. En réalité de l'immigration, sans compter que la majorité a participé à supprimer tous les éléments de durcissement qui avaient été posés par le Sénat, et tout cela a disparu. La suppression de l'AME, par exemple, a disparu. Donc on a la régularisation des clandestins qui travaillent, l'ouverture à une politique de quotas. Pardon, mais ça c'est mis en place dans des pays, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous avez utilisé une formule... Veut de l'immigration. Vous avez utilisé la formule « arrêter l'immigration ». Alors vous entendez peut-être cette petite musique dans l'espace public, ce ne serait pas possible de l'arrêter, au mieux pourrait-on la maîtriser, parce que la pression démographique, parce que la pression économique ferait telle que ce ne serait plus possible politiquement ou juridiquement aujourd'hui d'arrêter l'immigration. Vous êtes en désaccord avec cela? Arrêter l'immigration, c'est quoi? C'est faire en sorte que l'on détermine un nombre d'immigrés que la France peut accueillir chaque année. 10 000, 15 000. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire en accueillir 10 000. Ça veut dire que c'est la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui repartent. Le problème, c'est que dans notre pays, plus personne ne repart. Ni les déboutés du droit d'asile, ni les étudiants qui sont pourtant venus apprendre pour pouvoir normalement contribuer à l'enrichissement et au développement de leur pays d'origine. Plus personne ne repart. Donc il faut drastiquement limiter évidemment le regroupement familial. Il faut évidemment revoir les conditions du droit d'asile dont on voit bien qu'il a été détourné de son objectif principal. Il faut arrêter l'immigration de travail d'ailleurs. Parce qu'à partir du moment où nous avons sur notre territoire des étrangers qui sont deux fois plus au chômage que les Français en pourcentage. Et pourquoi aller en chercher encore d'autres? Donc c'est une maîtrise ferme de l'immigration, mais pas une immigration zéro. Vous le rejetez. Oui, enfin je le rejette, c'est une facilité de langage. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a jamais d'immigration zéro. Bon, mais il y a toute une série de choses à revoir. Il faut supprimer le droit du sol, il faut supprimer l'acquisition automatique de la nationalité par mariage. On peut très bien, je le dis aux gens, supprimer le droit du sol, ça ne veut pas dire interdire à des gens de potentiellement devenir français. Il existe toujours la possibilité d'être naturalisé. Le fait d'être né sur le territoire peut être un élément d'ailleurs positif dans votre dossier de demande de naturalisation, mais ça n'est pas automatique ou quasi-automatique. Dans le projet de loi Darmanin, il n'y a rien qui va dans le bon sens, selon vous. Il n'y a pas de mesures, il n'y a pas de progrès, il n'y a rien qui... Si, il y a quelques mesures qui vont plutôt dans le bon sens, mais qui pourraient très bien être inclus dans une loi votée très rapidement, la suppression de la restriction d'expulsion d'un certain nombre de personnes qui menacent l'ordre public, il y a la suppression d'un certain nombre de catégories d'étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'OQTF. Il y a quelques mesures qui sont bien. C'est pour ça que je disais que s'il n'y avait pas eu les mesures immigrationnistes, on aurait pu le voter. Mais ça va finir en 49-3. Il faudrait qu'ils puissent en avoir un encore à leur disposition. Le Conseil constitutionnel est saisi du problème. J'ai retenu le vomi là parce que... C'est pas facile de regarder cette personne. De l'écouter, de l'entendre, d'entendre ce qu'elle dit. Donc c'était une matinale spéciale fasciste ce matin. Quelle horreur. Entre celui qui veut retirer la cantine de la cantine des enfants de chômeurs, celui qui dit faut travailler plus, et celle-là qui dit qu'il faut plus d'immigrés
Et l'autre qui se fait virer de la rédaction, enfin du journal qu'elle présente parce que elle a un petit peu trop poussé son interview. Ouais, c'était spécial facho ce matin. Désolé, hein. Ça arrive. C'est l'actualité française en même temps, hein. Faut s'y attendre, hein. C'est globalement très fasciste. Donc pour, comme d'hab, pour digérer tout ça, hein, on va rester sur... On finit cette matinale sur ces petites vidéos drôles et mignonnes. Et comme je dois partir de toute façon dans quelques minutes, ce sera très bien. Donc allez, c'est parti. Moi, ça me va. La deuxième, c'est parti. Tac, tac, tac. Voilà, voilà, voilà. Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts? Je crois que vous n'êtes pas prêts pour celle-là. Et encore une, allez, on y retourne. Il n'y a pas de raison. When being smart is more important than have strength. Donc quand être malin est plus important que d'avoir de la force. Voilà. C'était bien joué. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça a été répondre à... Ah oui, d'accord, ok. Non, je suis pas sûre que je pourrais passer dessus. Ah, ça me saoule, ça. Voilà, super, voilà. Bah non, alors, du coup, non. Hein ? Voilà, hein ? Non, mais sérieux. Non, je vais pas aller sur Facebook. Désolée, pas désolée. Le tigre en toi quand tu es introverti. Pauvre petit. Oh, ça me fait de la peine pour lui en fait. Allez, c'est bon. On s'arrête maintenant. Hein ? Je sais qu'il n'est pas tout à fait 9h, mais il va être l'heure de s'arrêter. Je vous invite à venir sur le serveur Discord de la commu. N'hésitez pas à nous y rejoindre, vous y êtes les bienvenus, et pour nous donner les informations dont vous voulez qu'on parle le matin. Sur tous les thèmes, hein. Là on est resté sur le fascisme, mais on parle d'autres sujets, des fois ça arrive. Je sais pas, ça a été un peu le grand... Ah, c'est l'heure de Biril. Attends, j'essaye. Ah mince, je suis déjà en retard. C'est l'heure de Biril, je suis en direct. Oui, le Biril en direct. Voilà. Si vous voulez me suivre sur Biril, vous allez me trouver. Je m'appelle Florie. Bonjour Spontex, bienvenue parmi nous. Merci pour le follow. Donc ouais, vous pouvez nous rejoindre sur la communauté, sur le serveur Discord, vous y êtes les bienvenus. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Demain, on va parler de choses un peu plus légères. Demain, c'est des sujets de demain. Alors le premier sujet demain,
Ce sera le goût salé étonnamment mystérieux dans le corps humain. Voilà, comme ça, on va parler un peu de choses un peu plus positives. Donc, ça sera toujours très cool. En tout cas, je serai là demain. Nous serons là demain, vous serez là demain. Alors, faites pas attention au pull, hein, c'est pas le mien, je l'ai piqué à mon mec. C'est lui qui fait Epitech, c'est pas moi. voilà, donc je vais finir mon thé tranquillement. Qu'est-ce que je vais faire là? Je sais pas où est-ce que je vais vous envoyer. Je dois vous envoyer quelque part. Mmh. Sur un autre live, je ne sais pas encore lequel. Où est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous avez des suggestions à faire ce matin? Il y a quelque chose que vous voulez aller voir? Sinon, je vous envoie chez le fils de pub. Par exemple, pourquoi pas. Qui arrive dans 4 minutes. Normal, il est 56, il arrive à 9h. J'ai dit bonjour à Spontex. Bonjour Spontex, bienvenue parmi nous, merci pour le follow. Qu'est-ce que je pourrais vous envoyer voir? Je regarde. Je suis en train de regarder, je cherche. Hier déjà, je vous ai envoyé chez Marcel. Après, sinon, c'est des animaux, hein. C'est pas ça, forcément, voilà. Non, vous avez pas de suggestions? Bah, tant pis, je me débrouille, alors. Je cherche. Bah, je vais vous envoyer chez le fils de pub. Ça sera très bien pour cette matinée du matin, tout le matin. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant de vous abandonner? Il y avait un truc que je sais plus ce que je voulais vous dire. Quelque chose. Je sais plus ce que c'était. Quelque chose. Je ne sais plus. Je vous le dirai demain, du coup. Je ne sais plus. Ah oui, si. Pour finir cette matinale. Bonne journée, Don Quichotte. Pour finir cette matinale, je vous annonce que j'ai 2 ans de plus que le Premier ministre. Moi, ça m'a fait marrer parce que je me dis, mais j'ai 2 ans de plus que le Premier ministre. Le gars est Premier ministre. Et moi, on me traite quand même encore comme une gamine des fois, tu vois. Bref. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent jeudi. On se retrouve demain matin de bonne heure, de bonne humeur, comme tous les matins, pour une nouvelle matinale à le plus tôt possible. Je ne sais pas encore quelle heure. Par contre, je resterai un peu plus tard demain matin. Aimez-vous les uns les autres et dites aux gens que vous aimez que vous les aimez parce que c'est important. Et je laisse Atal loin d'ici, c'est pas notre âge, sa jeunesse. Bonne journée à vous.